1848, pour la seconde fois, le peuple français tente d'imposer sa République. Dans les villes et dans les campagnes, et chez nous en particulier, les ouvriers carriers et tailleurs de pierre, qui constituent une grande partie de la population temblagneuse, sont en travail. Le citoyen président a exposé qu'il est important de créer des ateliers de travaux communaux pour occuper les ouvriers. Le 21 mai 1848, à Porcieux, dans l'intérêt de la tranquillité publique, le Conseil prie le citoyen commissaire du département de maintenir les autorités municipales en place, vu que c'est les vœux de la masse des citoyens. C'est dans 2 ans, 2 ans à peine, que le coq gaulois chantera. Tendez l'oreille vers la plaine. Entendez-vous ce qu'il dira? Il dit aux enfants de la terre qu'ils sont courbés sous leur fardeau. Voici la fin de la misère. Mangeurs de pain noir, buveurs d'eau. Allons droit devant, que la lumière.
Cologne L5. 3, 2, 1, feu.